Ok, bonjour tout le monde, c'est Armand. Aujourd'hui, je me donne une journée pour apprendre tous les tomes de One Piece par cœur. Ok, bon, vous connaissez déjà le principe. Ce que je suis en train de faire, c'est lister tous les tomes de One Piece avec les deux informations que je voulais apprendre cette fois-ci, c'est-à-dire le numéro du tome et le titre du tome. Et ça, pour tous les tomes de One Piece qui sont parus en France, en ajoutant le numéro 105 et 106. Donc, une fois que j'ai listé tous les tomes de One Piece avec leur numéro, maintenant, il ne reste plus qu'à les rentrer dans le crâne en lisant plusieurs fois, en répétant, répétant, en essayant de s'auto-évaluer en cachant la feuille. Et ensuite, une fois que je connais les titres et les numéros de tomes par cœur, eh ben, je vais essayer de les associer à leur première de couverture. Bon, ben, je crois que c'est parti pour le test. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais j'ai révisé pendant environ 3 heures. Ce que j'ai fait, c'est j'ai setup un diaporama aléatoire et toutes les 10 secondes, une autre première de couverture avec le numéro du tome et le titre du tome caché apparaît. Et donc moi j'ai 10 secondes pour noter sur ma feuille le numéro et le titre du tome. Et je vous propose de faire pareil. À partir du lundi 10 juillet, tous les jours devrait sortir sur ma chaîne YouTube un short quiz One Piece avec le même principe. Vous avez une première de couverture avec le numéro et le titre du tome de One Piece caché. Vous avez 5 secondes pour réfléchir et ensuite la réponse s'affiche. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de One Piece et que vous avez envie de vous tester pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortent. Ok, ben on finit sur déclaration de guerre numéro 41, le passé de Robin. En plus, un de mes tomes préférés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Armand. Ciao, ciao!